ne sais pas pourquoi, mais je m'imaginais qu'une levée d'écrou s'accompagnait d'un peu plus de solennité. Mmh. Ce n'est qu'une formalité. Mmh. Moi, en tant que greffier, j'ai procédé à pas mal de levées, évidemment. Personne ne se plaint que ce ne soit pas une cérémonie. Oh, mais ne plains pas non plus. Voyons, nous disions la liquidation de vos comptes de pécule. Votre pécule disponible, votre pécule de réserve, la somme est vérifiée, nous sommes d'accord. Oui, oui, nous sommes d'accord. Vos effets, vos papiers d'identité, pas de bijoux, n'est-ce pas? Non, non, puisque tout de suite j'ai fait remettre à ma femme ce que j'avais sur moi. Et puis l'argent qui se trouvait dans mon portefeuille. Eh bien, il vous reste à signer le registre dans la colonne, là. Oui, ici. Et ce sera tout. Ce sera tout? Oui, oui, oui. Pardon. Merci. Oui, c'est la décharge. Oui, parfait. Bon, eh bien voilà, monsieur, je vous remercie. Mon avocat doit m'attendre dans le couloir. Je vais le rejoindre. N'oubliez pas votre laissez-passer. Vous n'aurez qu'à le présenter pour sortir. Ah, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, oh, mon cher maître. Oh, mon cher ami, vous êtes là. Trop heureux de vous accueillir. Alors, c'est terminé? Oh, oui. Hein? Oh, oui, me voilà libre. Curieuse impression. J'arrive, n'est-ce pas encore très bien, vous savez. Ça viendra vite, je vous en réponds. Encore heureux que vous soyez libéré avant d'avoir accompli toute la peine. Eh oui, j'aurais fait 7 ans seulement, sur 10. C'est un peu beaucoup, vous ne trouvez pas, pour un meurtre que je n'ai pas commis? Bien sûr. Et voyez-vous, si mon père n'était pas mort aussi prématurément... Oh, il aurait été là, près de moi, aujourd'hui, je le sais. Lui qui m'a si bien épaulé, si bien défendu. Vous étiez pour lui plus qu'un client, un véritable ami. Mais je sais. Et je ne demande qu'à vous aider. Mais vous aurez peut-être l'occasion de le faire, mon cher maître. Ah, alors venez, ne restons pas là. À la porte, sur le trottoir, j'ai repéré quelques journalistes. Ah non, hein? Non. Je ne veux pas les voir. Alors, on se souvient de votre affaire, vous savez, elle a fait assez de bruit. Ah ben, vous faites oui. Je vais leur dire quelques mots. Ce sera toujours les mêmes, ça ne tient en une seule phrase. Je n'ai pas tué Léo Roland. Mais venez, vous allez le répéter. Bon. Il n'est pas mauvais que ce soit imprimé une fois de plus, noir sur blanc. Madame Marin nous attend dans ma voiture, elle doit s'impatienter. Ah oui. Hein? Oh mon Dieu, nous allons reprendre notre vie tous les deux, une vie heureuse. Quand cette histoire est arrivée, nous étions déjà mariés depuis 10 ans, vous savez. 10 ans. Oh mon Dieu. Mais c'est ce que Madame Marin me rappelait en effet tout à l'heure. Oui, cela peut-être vous paraître un peu ridicule, mon cher maître, mais je suis toujours très amoureux de ma femme, vous savez. Pendant 7 années, je n'ai cessé de penser à elle. Et c'est long, vous savez. 7 ans, quand on attend. Mais non, on va oublier tout ça. Oui. Votre femme vous y aidera. Tout à l'heure, elle m'a dit, enfin, le cauchemar est fini. On ne reparlera plus de cette triste affaire. On l'oubliera. Oui, ne plus reparler de l'affaire, ça c'est autre chose. J'ai bien l'impression, moi, mon cher maître, qu'on n'a pas fini d'en parler. Michel. Eh oui, tu vois, ma chérie, c'est moi, je suis là, pour de bon. C'est incroyable, non? Tu voulais pas te reposer dans la chambre en attendant Maître Jiquel? Il n'est pas en retard. Mais non, il vient qu'à 5 heures. Bon, alors attendons-le. Attendons-le. Tu es bien, mon chéri? Mm-hmm. Comment te sens-tu? Si je te donnais quelque chose à boire en attendant, hein, tu veux? Non, merci, j'ai besoin de rien. Ou plutôt si... Tiens, viens là, mm-hmm. Dans mes bras. Tu veux pas? Oh, mais si, Michel, bien sûr. On a tant de souvenirs de parloir effacés tous les deux. Oh, tes visites, bon Dieu. Oh, on ne revient pas toujours là-dessus, c'est fini. Mais, tant que je n'aurai pas repris à zéro toute l'affaire pour moi, tu sais, rien ne sera fini. Mais enfin, Michel, sois réaliste. Comment pourrais-tu prouver maintenant ce que tu n'as même pas pu prouver au moment de l'instruction? Non. Chut, viens, ça. Oh, ça c'est Jiquel. Oui. Attends. Voici. Voilà. Ah, bonjour, monsieur maître. Ah, bonsoir. Ah, je suis content de vous voir. Bonsoir, moi aussi. Je suis très heureux de vous voir, ici, chez vous, hein? Ah oui. Chère madame, mes hommages. Bonsoir, maître Jiquel. Alors, notre artiste se réadapte. Non, c'est mal. Quand vous êtes arrivé, nous étions ma femme et moi en plein sujet. Asseyez-vous, donc, je vous en prie. Merci.
Oui, ma femme me demandait comment je prouverais maintenant ce que je n'ai pu prouver lors de l'instruction du procès. Mmh. Évidemment. Eh bien, en mettant la main moi-même sur le vrai coupable. Mais ce ne sera pas facile, je ne voulais pas cacher. Ah, tu vois, maître J, quel est de mon avis? Si je tenais la canaille. Une canaille doublée d'un lâche. Maître, je vous en supplie, faites-le renoncer. Mais violent comme il est, mon mari ne se contiendrait pas, ce serait terrible. Salaud. Ce serait un mauvais quart d'heure. Vous me mettriez dans votre tort. Attention. Mais oui. Et si sans le vouloir, tu allais le tuer. Mais j'aurais payé d'avance. Non, mais soyez tranquille, soyez tranquille. Je veux juste le corriger. La mort, c'est trop facile. Je souhaite qu'il vive longtemps, celui-là, qu'il crève de regret dans une cellule. Mais il faudrait d'abord qu'il passe en jugement. Non, mais naturellement. Parce que moi, je veux la vérité, et toute la vérité, et la révision de mon procès, et ma réhabilitation. Et pourquoi voyez-vous, c'est possible, non? Mais oui, c'est possible, si vous apportez un fait nouveau. Et alors? Oui. Le coupable? C'est pas un fait nouveau? Mais oui, bien sûr, mais il est sans doute un peu tard pour le retrouver. Même à l'autre bout de la terre, je le retrouverai. Et puis, je veux des dommages et intérêts. Dis donc, 7 ans de la vie d'un homme, ça compte, non? 7 ans de carrière. Je suis pas un marchand de mourons, moi, je suis sculpteur. J'avais un nom, un métier, et aujourd'hui j'ai tout perdu. Oui, évidemment, vous pouvez obtenir une réparation très importante. Montez, c'est le moment qu'on a choisi pour me foutre tout par terre, mais tout, alors comme ça, apparaît, non. Enfin, ça se paie. Oh mon chéri, je t'en prie, tu t'énerves, tu t'emportes. Mais c'est vrai, maître, que le jugement de révision est toujours affiché. Mais je vois que vous avez creusé la question. Oh là là. Oui, si vous le demandez, dans votre arrondissement, ici, ce serait affiché. Et publié au journal officiel. Oui, et dans un certain nombre de journaux. Ouais, je veux qu'on le sache, vous m'entendez? En nous n'aurons plus à nous préoccuper que de cela. Mais de toute façon, vous pourriez demander votre réhabilitation comme n'importe quel condamné qui a purgé sa peine dans 5 ans. Vous croyez que je vais attendre 5 ans? Ah non, c'est au travail, mon cher maître, puisque vous êtes venu pour ça. Ah non, mais à titre purement privé. Oui, j'insiste bien. Officiellement, je n'ai pas à qualité. Seule mon amitié pour vous deux. Oui, mais nous en savons gré, ma femme et moi, croyez-le bien. Fanny, tu veux nous servir quelque chose de frais? Mais voilà, tout de suite. Merci. Oui, voyez-vous, maître, ce qu'il me faut, comprenez-vous, c'est le petit truc, c'est le... l'indice tout bête que la police n'a pas découvert. L'élément qui me permettra de démonter la machination dans laquelle j'étais pris au piège. Machination, piège. Et oui. Il n'en a peut-être pas eu. C'est peut-être tout simplement un enchaînement de circonstances. Voyons, j'ai ressorti. Merci, chère madame. Un peu de glace. Oui, c'est parfait comme ça. Là. Oui, j'ai ressorti le dossier de mon père. Voilà. Pour moi, il s'agit presque d'une affaire nouvelle. Il me faut reprendre toutes les pièces une à une. Oui, vous m'excuserez, mais à l'époque du procès, j'étais encore en faculté. J'aurais besoin de vous poser encore certaines questions. Mais bien entendu, je demande que ça, moi. Non, toi, ma chérie, tu t'installes dans le fauteuil et tu nous écoutes. Bon, comme tu voudras. Voilà. Bon, alors commençons par le commencement. Vous avez donc connu Léo Roland quand vous étiez étudiant. Oui. Nous faisions de la sculpture tous les deux dans le même atelier chez le père Geoffroy. Ma femme... également était son élève. Donc, Léo Roland, à cette époque, était votre ami? Ah non, pas mon ami, pas même un copain. Oh non, j'ai rarement rencontré un type aussi moche, vaniteux comme un pan, sans valeur comme artiste, non. Il n'était pas très gâté, dites-moi. Ah non, ça même pas du tout. Il le savait bien. Hein? Il le savait qu'il n'avait rien dans le ventre. Il le savait. Seulement, il serait fait hacher plutôt que d'en convenir. Et rien à signaler au cours de cette période qui puisse éclairer le... enfin, le, disons, le drame? Ah ouais, mais non, justement, non. Non, je vois pas. Hein, Fanny, tu... rien. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Rien, comment veux-tu? Oui. Mais par la suite, vous vous étiez perdu de vue. Hein? Ah oui, complètement. Ben, c'est bien simple, dès que j'ai eu quitté l'atelier. Et puis, les années ont passé. Mais alors, plus question de Léo Roland. Plus question. Hein? Plus question jusqu'au jour où je le retrouve par hasard sur le quai Malaquais. Mais alors... c'est comme un clochard minable à pas croire. Enfin. Et à ce moment-là, vous lui avez prêté de l'argent. C'est bien ça. Ça, je l'avoue, je comprends pas bien. Le connaissant comme vous le connaissiez, J'ai eu pitié, tout bêtement. Je crevais de faim. Oui. Mais enfin, si j'en crois le dossier, vous lui avez prêté un peu plus qu'il n'en faut pour acheter un sandwich. Ah, ça oui. Ah oui, exactement de quoi remonter sa petite affaire de céramique. Elle était complètement tombée à zéro. Mais vous savez, je ne me fais pas meilleur que je suis. J'y ai vu, moi aussi, mon intérêt. Et vous avez mal vu? Oui. Oui. Enfin, la céramique, ça m'amusait. En flouant l'affaire, je pensais pouvoir utiliser l'atelier, les fours. Voilà. Si vous n'avez jamais vu un jobard, vous pouvez me regarder. Vous voyez comment c'est fait. Car bien sûr, Léo Roland a dépensé tout l'argent pour son usage personnel. Et il n'a jamais voulu me rembourser un sou. Qu'est-ce que vous voulez? Je souffrais à ce moment-là d'une maladie de jeunesse, la confiance. Ça m'a passé depuis. Oui, enfin, tout ça ne nous apporte pas grand-chose de neuf. Non, ça ne fait rien. Si ça n'explique pas le drame, ça explique au moins en partie pourquoi vous avez été condamné.
C'est important. Bon, mais bien, mais bien. Le jour du drame, donc. Non, non, attendez, attendez, pas si vite. Procédons par ordre. Au cours de la période qui a précédé, vos rapports avec les Hurlants... Oh, de plus en plus mauvais, nous étions à couteau tiré. Cette inimitié, si je ne m'abuse, a éclaté publiquement à plusieurs reprises. Oh oui, oh, oui, bah, tu te souviens, Fanny, mes articles dans l'art majeur. Je me souviens, oui, comme si c'était hier. Oui, donc, je faisais à ce moment-là de la critique dans cette revue, à propos d'une exposition j'ai tirée à boulet rouge sur Léo, mais n'importe qui en aurait fait autant à ma place. C'était enfin. Si mauvais que ça. Bon, pur, un fake, un trucage minable. Moi, j'ai horreur des truqueurs, alors... J'ai pas pris de gants pour assommer le bonhomme, je vous assure. C'était plus de la critique, c'était presque de la diffamation. Mais on vous l'a reproché, d'ailleurs. Oh bah, Léo le premier. Pensez, je l'avais traité de bricoleur de l'art, de malfaiteur, de nabo impuissant, est-ce que je sais, moi. Oh, 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 il écumait. Il était vert. Il était moche. Vous faites allusion à cette scène dans une galerie d'exposition une semaine avant le drame, c'est bien ça? Eh oui, puisqu'il m'avait mis au défi de répéter à haute voix ce que j'avais osé écrire. Bah, ça n'a pas traîné. En plein vernissage, je lui ai lancé à la figure. Oh, oh, c'était abominable. On était au bord du duel. Tiens, vous vouliez vous battre? Ah, lui, oui, oui. C'était ridicule, quoi. Il cherchait un coup de publicité, vous comprenez. Bah, tu te rappelles, Fanny, la gueule qu'il faisait. Mais oui, mais pourquoi me demander toujours si je me rappelle, Michel? Naturellement, tu penses. Bah, je me bats pas avec un raté. Voilà ce que je lui ai répondu. Au fond, c'était une bouffonnerie, quoi. S'il avait eu un peu plus le sens de l'humour. Oui, mais apparemment, il ne l'avait pas. Voilà. Mais ce n'était pas, il me semble, le moyen pour l'amener à vous rendre l'argent qu'il vous devait. Bon, il n'en avait pas le premier sou. Alors, de toute façon, je ne risquais rien. Mais vous saviez qu'il n'en avait pas le premier sou. Et pourtant, vous le harceliez. Puisque le jour du drame... Oui, bon, ben, voilà, oui, ça, j'y arrive. Ce jour-là, donc, le 12 août, vers 5 heures de l'après-midi, j'ai une chaleur à crever, je me souviens, son atelier était le dernier, au fond de l'impasse Martial Fort. Vous voyez, enfin, c'est près d'Enfer Rochereau. Oui, oui, c'est... Je m'étais fait précéder par une lettre incendiaire. Je lui disais de se débrouiller, d'emprunter ailleurs, bref, de me rembourser, ou gare à sa peau. Bon. Vous l'aviez menacé, vraiment? De façon aussi précise? Non, 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 heureusement. Enfin, mon intention était de porter plainte pour escroquerie, mais pour l'inquiéter, j'étais resté dans le vague. On s'en est pas privé à l'instruction, d'ailleurs, au pied au procès, hein, d'interpréter mes menaces. Enfin. C'est toujours très imprudent de menacer par lettre. Oh, ben, je... hein? Écoutez, est-ce que je pouvais prévoir, moi? Enfin, je suis allé là-bas à l'heure dite... Et voilà, j'ai trouvé Léo étendu dans son atelier, mort. Vous entendez, maître? Mort. On l'avait tué avant mon arrivée. Et je sais, je sais. Vous l'avez toujours dit. Oui, mais je me demande si votre père et vous l'avez toujours cru. Et vous savez, nos clients nous cachent fréquemment la vérité. Ils nous assurent être innocents, s'imaginant que nous les défendrons mieux. C'est pas un très bon calcul, d'ailleurs. Oui, alors vous n'étiez pas certain? Et maintenant, vous y croyez, vous, maintenant, l'erreur judiciaire? Mais naturellement, mon cher ami. Hmm. Votre obstination garantit votre bonne foi. Quand vous êtes arrivé, Léo Roland était mort, je n'en doute pas un seul instant. Moi, j'ai commencé par en douter quand même. Vous savez, le personnage buvait assez copieusement. Il avait sur une table une bouteille de whisky, un verre dans lequel il avait bu, c'est certain. Il pouvait aussi bien être tombé là, complètement ivre. Et la marque de ton doigt sur la glaise, Michel? Oui, est-ce bien utile? Ça ne prouvait absolument rien. J'ai lu en effet quelque chose à ce sujet. Bah... Je ne sais pas comment, j'ai dû m'appuyer, m'accrocher peut-être au bord d'une selle qui se trouvait là, avec une ébauche en teint sous son linge mouillé. Mes doigts ont marqué sur la glaise encore tendre. Et qu'est-ce que ça prouve? J'étais là, j'ai jamais caché. Alors? Et le maillet? Le maillet était par terre, près du corps. Machinalement, je l'ai ramassé. Léo avait pu être frappé avec ça. Mais en le prenant par le manche, naturellement. Naturellement. Et puis vous avez appelé un médecin? J'ai téléphoné, oui, tout de suite. Si quelqu'un pouvait encore quelque chose pour Léo, hein, bah, c'était bien le médecin. Mais ce docteur est venu, je crois, assez vite. Un quart d'heure plus tard, oui. Agréable quart d'heure, je vous assure. Moi, tout seul avec ce pauvre type. Je n'osais même pas le déplacer ni le toucher. Mais si tu l'as touché, puisqu'il y avait des traces. Ah oui, au fait, oui, sur sa chemise. Un soupçon de cette fameuse glaise collée à mon doigt. Là, c'est reproché, ça aussi. Enfin, bon Dieu, maître, dans ce genre de circonstances, on fait des tas de gestes instinctifs. Et oui, bien sûr. Alors, le médecin a conclu à une mort suspecte, pas de traces évidentes de violence. J'ai appelé aussitôt moi-même la police. Brillante inspiration. Oh, bah, personne, à ce moment-là, n'aurait pu prévoir. C'était normal qu'on vous interroge. Minutieusement, je vous assure. Et moi, je n'ai rien caché, pas même l'existence de ma fameuse lettre de menace. Où avais-je la tête, je vous le demande? Mais de toute façon, vous savez... Vous aviez vraiment beaucoup de choses contre vous. Oui. Puis ajoutez à cela les déclarations de mon cher ami.
Claude Guillot, vous savez, le peintre, celui-là. Bon, ces temps ont passé, je me suis calmé, mais je lui ai gardé longtemps un chien de ma chienne, je vous assure. On remarque qu'il n'avait rien dit d'autre que la vérité. Oh oui, la vérité, il y a une façon de la dire. Pavé de l'ours, voilà l'effet qu'il a produit. Je suis certaine qu'il en a été lui-même très malheureux, il ne se rendait pas compte. Mais rappelle-toi, enfin, au procès, l'avocat général lui faisait dire tout ce qu'il voulait contre moi. Enfin, Fanny, quand même, tu vas pas le défendre. Non, j'ai pas à le défendre, j'essaie d'être objectif. Eh bien, objectivement, ce cher Claude a contribué à m'enfoncer. Oui, mais le plus grave, voyez-vous, ce sont vos empreintes sur le manche du maillet. Et vos empreintes sales, si je ne m'abuse. Ah oui, là, j'ai manqué d'astuces. Le meurtrier en a eu plus que moi. Il va avoir des gants, je suppose. Et les conclusions du légiste ont été formelles, n'est-ce pas? Oh, formel, oui. Un coup faible, là, vous voyez, sur le larynx, mort par inhibition, il l'a affirmé. Tiens, Fanny, donne-moi à boire, oui, s'il te plaît, j'ai soif. Oui. Vous avez fait figure de suspect numéro un, je le comprends, mais enfin, il n'y avait que des présomptions. D'abord, on m'a reproché d'avoir manœuvré. D'avoir cru habile de découvrir le corps. Oui. Je l'ai fait exprès, bien sûr. Habile d'avoir prévenu le médecin et la police moi-même, un vieux truc usé, paraît-il. Oui, mais les enquêteurs ont cherché ailleurs, quand même. Oui, au paraquis de conscience, pas très longtemps, mais enfin, ils ont cherché. J'ai tellement gueulé que j'étais pour rien. Là, ils m'ont tendu à la PJ. Remarquez, ils ont été corrects avec moi. Butés, mais corrects. Léo Roland devait bien avoir des ennemis, étant donné le personnage. C'est dans cette voie qu'il faudrait creuser. Ben, je leur ai dit. Je leur ai dit, un type comme ça, vous pensez. Eh ben, non. 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 Léo semblait vivre assez solitaire. Mais une histoire de femme, non? Un mari jaloux? Non, pas d'histoire de femme à ce moment-là, paraît-il. Mais une ancienne histoire, alors? Mais non, même pas. Non. La perquisition de l'atelier n'a rien donné. Sinon, les éléments qui renforçaient en apparence ma culpabilité. Alors, vous voyez. Mais j'ai vu, dans le dossier de mon père, que Madame Roland, la mère de la victime, avait été entendue. Elle ne voyait, pour ainsi dire, plus son fils depuis longtemps déjà. Sa déposition n'a rien apporté. Bah, tu te souviens, la mère de Roland, pensait Fanny. Lamentable, une pauvre vieille femme, pas très lumineuse. Hein. Pas très, non. Il n'y avait rien à espérer de ce côté. Ah, espérer, oui, j'ai espéré jusqu'au bout, mon cher maître. Même inculpé, j'y croyais pas, moi. Votre père non plus. Non, non, il comptait sur un non-lieu, je sais. Bah, au procès, j'y croyais toujours pas. Et puis, l'avocat général a gagné, alors. Oui. Mais encore heureux qu'on n'ait pas retenu contre vous la préméditation. Oh, mais... Votre père a eu beaucoup de talent. Non. Si, si, beaucoup, beaucoup, sans lui. Bon, croyez-moi, 10 ans de réclusion criminelle sur la tête d'un bonhomme qui n'a rien fait, c'est lourd. Même quand on vous libère avant la fin. Et la question reste posée. Oui. Qui a tué Léo? Et comment le savoir? Reprendre l'enquête, évidemment, mais sans les moyens dont dispose la police. Mmh. Non, je crains que nous ne courions à un échec. Bah. Du moins, j'aurais tout tenté. Et puis, plus ce sera difficile, plus je m'acharnerai. Et vous ne me laissez pas tomber, hein? Non, non, non. Bon. Non, naturellement. Moi, je vais d'abord réfléchir à la question. Il faut aller vite. On ne sait jamais qui vit ni qui meurt. Chérie, tu n'es pas malade. N'importe qui peut claquer d'un jour à l'autre sans être malade. Oh, quel duté. Ah, petit infarctus, plus de bonhomme. Oh non, mais chérie. Bon, alors écoute, faudrait poursuivre. Toi, Fanny, pour obtenir ma réhabilitation, j'y tiens. Maître Giquel t'aiderait. Comptez sur moi, mon cher ami. Mais grâce à Dieu, vous êtes plein de vie et de santé. Allons. En attendant, je reste à votre disposition. Merci. Et moi, je me mets en chasse dès demain. Fanny? Oui? Tu as dit quelque chose? Moi, non, rien. Je ne suis pas superstitieux, tu sais. Tu peux me souhaiter bonne chance. Bonne chance, mon chéri. Allô, tu m'entends? Oui, ce soir. Oh, bah, tant pis, je me décommanderai. Hein? Allô? Oui, mais tu connaissais bien Léo Roland quand même. Ben, écoute, tu vois pas ce que tu pourrais m'apporter, c'est possible, enfin, c'est jamais. Ben oui, hein, 9h, ça te va? Fanny sera ravie, hein, ce soir. À qui parles-tu de notre soirée? Je serais ravie, de quoi? Bon, ben, peut-être pour autant que je l'ai dit, par politesse, ma chérie. Claude Guillot viendra ici ce soir. Claude?
Non, mais nous sortons, tu le sais bien. Tant pis, il y a qu'à remettre. Oh non, j'en ai assez, Michel. Tu me fais mener une existence, mais enfin, est-ce que tu t'en rends compte seulement? Au lieu de te détendre, de vivre un peu, vivre, tu n'en as pas envie, non? Non, mon petit, écoute, l'affaire avant tout. Mais tu ne parles que de ça, tu ne penses qu'à ça. Et pourquoi, mon Dieu, pourquoi, on se le demande? Bon, voilà une sortie. Je te prive de notre soirée qui d'ailleurs n'est que remise, bon. C'est pas une catastrophe nationale. Mais pourquoi, enfin, pourquoi t'acharner? Enfin, comprends, mon enquête. Oh, parlons-en de ton enquête. Elle avance depuis 3 semaines? Bien sûr que non. Et pourquoi? Parce que c'est pas ton travail, mon pauvre Michel. On ne s'improvise pas policier. Patiente un peu, que diable. Ça s'apprend, ce métier-là, figure-toi. Oh, t'es inouï, toi. Enfin, ça ne te ferait pas plaisir que j'en trouve le meurtrier? Oh, si, oh, si, Michel, ça me ferait plaisir. Oh, mon chéri, pardonne-moi, oui, mais... Oui, oui. Oui, naturellement, mais je te vois gaspiller ton temps, tes forces. Au lieu de travailler ou de te reposer. Tu téléphones à qui? Mais je pense à l'instant. J'ai peur qu'il soit sorti. J'appelle Maître Jiquet. Encore? Mais tu le laisseras pas un peu en paix, lui aussi? Ah, écoute, c'est un type épatant, tu sais. Il se prend au jeu, il cherche. Allô, oui. Je voudrais parler à Maître Bernard Jiquet, s'il vous plaît, pour Monsieur Michel Marin. Merci. Il cherche par des voies différentes des miennes, c'est pas plus mal. Allô? Oui. Bonsoir, mon cher ami. Eh, non, non. Rien de nouveau. Vous non plus? Dites-moi, je voudrais votre avis. Voilà, j'ai l'intention de voir Madame Roland, la mère de Léo. Tu veux voir Madame Roland? Bah, c'est pas une mauvaise idée, non? Je peux toujours lui rendre visite, on verra bien. Oui, mais je vous en prie, si vous êtes pressé, je vous retiens pas. Oui, d'accord, je vous tiens au courant. Au revoir. Quoi, tu veux voir Madame Roland? Mais oui, on ne sait jamais. Mais enfin, tu aurais pu au moins m'en parler. Moi, tu te rappelles, cette femme apeurée qui n'avait pas l'air de bien comprendre, qui vit depuis toujours là-bas, au fond de sa province. Mais écoute, je veux juste bavarder un peu avec elle. Bon, bah, si bornée qu'elle soit, elle a sûrement compris une chose, figure-toi. On lui a dit, voilà l'homme qui a tué votre fils. Et elle l'a cru. Elle le croit encore, c'est certain. Mais probablement. Et tu veux aller la voir, mais... Oh non, non, je te laisserai pas aller là-bas, c'est trop dangereux. Mais je lui expliquerai tout de suite. Mais si au moins tu la prévenais par lettre de tes intentions. Bah voyons, je compte justement sur un effet de surprise. Bon. Eh bien, fais ce que tu veux, Michel. Enfin... De toute façon, tout ce que je peux dire. Parce que nous en sommes là, hein. Bah où? Où en sommes-nous? Au point où je n'ai plus qu'une petite place dans ta vie. Et tu n'en as même pas conscience. Bah, je ne comprends pas. Tu devrais m'aider, au contraire. Mais tiens, Claude, lui, tu vois, il a compris, maintenant. Oh, Claude, encore Claude. Bah, oui, oui, Claude, il me doit bien ça pour réparer la maladie. Mais il s'en fiche, Claude, tu l'ennuies. Bah, il te l'a dit. Oui, tu l'ennuies, il a autre chose à faire. Et toi aussi, probablement, t'as autre chose à faire, hein. Quoi, alors réponds. Oh, rien. Oh, mon chéri. Non, ne nous disputons pas. Pas à cause de ça, je t'en prie. Et bien sûr que je ne demande qu'à t'aider. Je voudrais tellement... Oui, tu verras, tu verras, tu verras. Tout rentrera dans l'ordre quand nous la tiendrons, cette foutue vérité. Hein? En attendant, je verrai Madame Roland. Je craignais, madame, que ma visite vous surprenne, vous choque peut-être. Oh, vous savez, moi, monsieur, dans la vie, je m'attends à tout, alors comme ça. Enfin, vous me croyez quand je vous affirme que ce n'est pas moi qui ai tué votre fils. Oh, c'est bien possible. Pour moi, vous savez, monsieur, tout ça, c'est fini. Mais depuis longtemps. Je ne m'étais jamais bien entendu avec Léo, il avait un caractère à part. Oui. Quand il est mort, j'avais même plus de ses nouvelles, alors vous savez. Mais ça ne vous ennuie pas que nous parlions de lui, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire que ça m'ennuie, mais vous savez, ce qui est fait est fait. Et moi, je n'ai rien à dire, et je ne sais rien. Oui, mais madame, ce n'est pas de cette façon que mon enquête va progresser. Et encore, si j'avais pas eu la lettre de votre dame... La lettre? Ah oui, la lettre de votre dame, qui me prévenait de votre visite. Ben, vous, vous seriez dérangé pour rien, je devais aller chez ma sœur. Ah oui, la lettre de ma femme, oui. Bien sûr. Madame Roland, vous aussi, la vérité vous intéresse, pour qu'on envoie en prison le meurtrier de votre fils. Je ne dis pas non, ça me le rendra pas, et puis de toute façon... Il faut m'aider. Faut chercher dans la vie de Léo quelque chose d'ignoré, vous comprenez? Ben, si c'est ignoré, comme vous dites, comment le savoir? Ah, mais en cherchant dans ses affaires, dans ses papiers, si vous les avez encore, peut-être trouverons une trace, enfin, quelque chose. Ça m'étonnerait, vous savez. La police a passé son atelier au Penfa, naturellement, donc
Tout ce qui était à Paris est examiné. Ça... Mais par ici aussi, ils sont venus, vous pensez? Ça a servi à rien. Mais il ne vous reste pas des affaires de Léo, des papiers, est-ce que je sais? Oh ben, il y a une chose, tenez, que la police n'a pas pu voir. Et pour cause, je ne savais même pas que ça existait, alors. Remarquez, ce n'est pas bien important. Oui, mais dites toujours. Vous vous rappelez qu'à un moment, mon fils avait changé d'atelier. Mmh. Moi, je ne l'ai même pas su à l'époque. Vous savez ce que c'est quand on s'écrit pas? Oui, alors? Eh bien, il connaissait un monsieur qui habitait dans la banlieue. Pas un ami, non, un monsieur. Je sais pas, vers... vers Anthony, je crois, ou bien Gentilly, un nom comme oui, ça. Oui, je vois, oui. Oui, un monsieur qui avait un pavillon. Et Léo lui avait demandé de lui garder des caisses de livres dans sa cave, pour le débarrasser un peu quand il a déménagé, vous comprenez? Il devait les reprendre plus tard. Et il ne les a pas reprises? Eh non, ah. Le monsieur a été obligé de partir en Amérique du Sud, je crois. Oui. Et il n'était pas là quand mon fils est mort. Et personne ne savait pour les livres, naturellement. Bref, un an après, au moins, le monsieur me les a rapportés dans sa voiture. Et vous les avez conservés? Bah, j'ai mis tout ça dans le grenier sans y toucher. Un jour, il faudra que je les liquide. Oui. Je pense pas, en effet, que ce soit d'un grand intérêt. Oh. Mais enfin, écoutez, si ça ne vous dérange pas, je peux voir ces caisses? Bon, si ça peut vous contenter. Eh ben oui. Alors, on y va, Madame Roland? Eh ben, tenez. Passez. Pardon. Oh, je vous donnerais bien tout, vous savez. Ça me débarrasserait, parce que moi, les livres... Michel. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est bien ce soir que Maître Jiquel doit revenir. Ah oui, tout à l'heure, pourquoi? Pour savoir, je croyais que tu travaillais, mon chéri. Non, non, je peux pas, je peux plus travailler. Je suis complètement vidé, tu le sais bien. Oh, j'espérais que, comme depuis quelque temps tu ne parles plus de l'affaire, je... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, je t'en prie, Michel, tu pourrais me parler sur un autre ton. Oh non, non, hein. Des reproches maintenant? Mais non, pas des reproches. Moi, je pensais que tu ne fais plus allusion à toute cette histoire. Alors, je pensais que tu voulais revenir à ton travail, tu avais dit que... Mais quoi, qu'est-ce que j'avais dit? Oh, mon Dieu, mais tu n'es pas bien, tu sais, en ce moment. Non. Pas bien du tout. Alors qu'est-ce que je peux faire? Tu veux quelque chose? Non, rien. Tu devrais consulter un médecin. M'en fous, non. M'en fous de ton médecin. Ce que j'ai ne se guérit pas. Mais qu'est-ce que tu as? Dis, tu ne veux pas me le dire? J'en ai assez, là. Voilà ce que j'ai. Assez de toutes tes questions. Oh, Michel. Pourtant, je voudrais t'en poser encore au moins une. Tu ne me dis plus un mot de tes recherches, tu n'y attaches plus la même importance? Hein? Tu as compris l'inutilité? Voilà. Mettons que j'ai compris. Ta conversation avec Claude ne t'a rien apporté, n'est-ce pas? Tu m'as même pas raconté ta visite à Madame Roland depuis 8 jours. Tu y es allé, oui? Oui. Oui, mais il faudrait savoir ce que tu veux. Cette affaire, finalement, ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas? Bon, naturellement, voyons. Moi, bon. J'aimerais savoir où tu en es. Bon, vraiment, tu es sûr de ne pas le regretter? Bien. Alors, écoute-moi, Fanny. Oui, je t'écoute. Et si j'avais menti? Menti? En quoi? Si j'étais le meurtrier. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Si j'avais réellement tué Léo. Après tout, c'est possible, non? Oh non, mais enfin, c'est absurde. Et puis, dans quel but tu... Dans quel but? J'aurais joué la comédie et pendant si longtemps, c'est ça que tu veux dire? La petite comédie d'innocence persécutée. Pour te tromper. Toi d'abord, et puis tout le monde. Ce serait amusant, non? Bon, voyons, Michel, ça tient pas debout. Mm-hmm. Je peux mentir, moi, tu sais. Puis très bien, je t'assure. Tu mens jamais, toi. Oh, bah, évidemment, je ne jurerais pas n'avoir jamais menti de ma vie. Ça vaudrait mieux, sans doute. Mais même les animaux mentent. Il n'y a pas d'existence possible sans le mensonge. Tiens, ne serait-ce que pour protéger ce qu'on aime. Oui, oui, oh, puis c'est ça, avec ça, on peut aller loin, oui. Donc, je suis arrivé à l'atelier de Léo à 5 heures... Il avait bu terriblement. Nous nous sommes bagarrés comme des chiffonniers. J'ai saisi le maillet et j'ai frappé. Non, non, c'est pas vrai. Tu crois? Non, non, tu n'as pas tué Léo, Michel, j'en suis sûr. Comment peux-tu en être aussi sûr? Mais c'est une conviction profonde, j'en suis certaine, je te dis. Et pour cause? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Et pour cause, oui. Parce que tu connais, t'as toujours connu l'identité du vrai coupable. Michel! Tu l'as protégé par ton silence. Et pour que tu en arrives là, hein, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre le meurtrier et toi? Oh non! Oh, tu peux pas croire ça, c'est ta faute. Tu imagines? Oh, très bien, figure-toi. Car enfin, t'as tout fait pour m'empêcher de chercher la vérité, hein? Tu en as mis des bâtons dans les roues. Mais parce que je voulais t'éviter des déceptions, un échec. Eh ben, c'est réussi.
Tu voulais m'éviter quoi, au juste, en écrivant à Madame Roland, hein? Parce que tu l'as su. Oui, figure-toi, oui. La mère de Léo a bavardé. T'as eu tort de te fier à ce genre de personne. Mais j'avais peur qu'elle réagisse mal, tout simplement. T'avais peur qu'elle me mette sur la voie, oui, oh, naturellement. Non, non, tu te trompes. Bon, ça m'étonnerait. T'imagines très bien le vrai meurtrier, tiens. Un homme que tu aurais aimé. Oh, mais voyons, tu sais bien que j'ai jamais aimé. Que tu aimerais encore. Non. Et tu m'as laissé coffrer à sa place. Non, mais non, mais c'est faux, je te le jure. Oh, tu es odieux, Michel. Mais mieux. Vous avez très bien pu vous arranger tous les deux pour me coller sur le dos le meurtre de Léo. Et à vous la liberté. Oh, c'est insensé, mais comment peux-tu... Comment te prouver que tu te trompes, Monsieur? Ah, ben, ça, pas, oui, ça n'a pas facile de prouver, j'en sais quelque chose. Et cet homme, ce cher ami, ton complice, tu veux son nom? Non, mais enfin, puisqu'il n'existe pas. Son nom, c'est pas Claude Guillaume. Claude! Oh, mais jamais. Mais il n'y a jamais eu quoi que ce soit entre Claude et moi. Mais enfin, tu le sais bien. Michel, mais tu deviens fou ou quoi? Tu veux me rendre folle? Oh, écoute-moi! Regarde-moi, là, en cet instant précis. Là. Tu mens ou tu dis la vérité? Mais c'est la vérité. Claude a été maladroit dans ses dépositions, mais tu ne peux rien lui reprocher d'autre. Oh, Fanny, je la veux, la vérité. Oui, je la veux. Et rien ne m'arrêtera. Enfin, tu le sais, tu le sens, je t'aime encore. Oh, encore. Je t'aime toujours. Et depuis si longtemps, malgré tous les coups durs, à cause peut-être. Je commençais à en douter. Ben, faut pas m'en vouloir. J'ai un peu perdu le nord, tu sais. Écoute, quoi que tu aies fait, même le pire, je suis peut-être en ce moment capable de pardonner le pire. Mais un peu plus tard, ce sera trop tard. Tu comprends? Mais moi aussi, mon chéri, je t'aime toujours. Et la vérité, c'est pas ce que tu supposes, je te le répète. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je ne demande pas mieux que de te croire, moi. Je t'en prie, laisse-moi maintenant. Oui. Eh bien, moi, j'ai une autre hypothèse. On a toujours dit le meurtrier de Léo Roland. Mais si c'était une meurtrière, hein? Une femme dont personne n'aurait connu l'existence. Une femme qui se cachait. Quoi, tu as trouvé quelque chose? Oui, une femme a très bien pu le frapper sans force avec le maillet. Un choc relativement léger suffit, paraît-il, dans certains cas. Qu'est-ce que tu penses, Fanny, de mon idée? Rien. Comment veux-tu que je sache? Fanny! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je sais pas, c'est un papier. Une lettre, plus exactement. Regarde. Regarde-la de bien près. C'est pas ton écriture? Mon écriture, mais... Oui, ton écriture, quand tu écris droit, ce qui est rare. Je comprends pas. C'est une lettre écrite un jeudi, sans date et signée d'une seule initiale. F. Un F, oui, je vois ça. Je donnerais cher pour me tromper. Mais c'est bien une lettre de toi. Commençons par cher Léo, je t'en supplie, tu t'en souviens, non? Non, je ne sais pas. Oui, tu ne sais pas et tu me demandes pas comment cette lettre m'est tombée dans les mains. C'est Madame Roland, en feuilletant au hasard certains livres dans les caisses dont la police ignorait l'existence. T'as eu de la chance, toi. Léo avait dû l'oublier entre les pages. Qu'est-ce que ça prouve? Que tu correspondais avec lui, que tu le voyais, que tu mentais. Car enfin, il fallait t'entendre. Tu refusais de fréquenter ce type impossible, à ton croire, tu le détestais même. Moi, je le voyais pour nos affaires. Mais lui et toi, vous étiez censés ne jamais vous rencontrer. Je n'ai pas inventé ça quand même. Non, c'est exact. Alors, est-ce qu'on écrit à quelqu'un que l'on déteste, cher Léo, je t'en supplie? Mais dis-moi, est-ce qu'on le tutoie? Oh oui! Oh oui, on peut tutoyer quelqu'un qu'on déteste, je t'assure. Et puis, on se tutoyait depuis l'atelier Geoffroy, tu le sais bien. Mais enfin, tu l'as lu, la lettre. Alors, tu sais aussi de quoi je te suppliais. Ah, bon, la mémoire te revient. C'est donc bien une lettre de mais toi. Mais oui. Je t'en supplie, ne viens pas voir Michel demain, et surtout qu'il ne sache pas que nous nous sommes vus hier. Alors? Alors quoi? C'est tellement compromettant, tu trouves? Oh bon, oui, les relations n'étaient peut-être pas très bonnes à ce moment-là, mais la fin du billet donne à penser qu'elles avaient été meilleures. Quand nous étions camarades d'atelier sans plus, tu ne l'ignores pas. Bon, maintenant laisse-moi, voilà, j'aime mieux m'en aller. Ah non, Fanny, non, reste là, non. Te défends, on joue les reines outragées et on passe la porte. Ah non, tu vas m'écouter jusqu'au bout. Non, laisse-moi. Tu étais la maîtresse de Léo. Non. C'est toi qui l'as tué. Non. Oh non, Michel, non pas ça. Tu l'as tué. Non, écoute.
Oh, je sais pas comment te dire. Mais tu veux jamais me croire. Voilà, j'ai menti, c'est vrai. Et tu voudrais que je m'y retrouve? Non, mais je t'ai simplement caché certaines choses. Mais attends, je vais tout t'expliquer. Oh. Voilà, tu comprendras. Je voudrais bien, au fait. Voilà, eh bien, le jour du drame, je te savais très monté contre Léo. Lui, de son côté, était dans les pires dispositions. Alors, votre entrevue risquait de tourner mal. J'ai eu peur, je suis allée à son atelier. Bon, à quelle heure? À 4h15, à peu près. Bon, alors, tu l'as vu? Oui, il était déjà mort. Tu comprends? Oui. C'est vrai? Oui. Il était déjà mort. Et tu n'as rien dit? Pourquoi? Eh bien non, tu comprends, j'ai eu peur, je savais plus où j'en étais. Mais écoute-moi, mais Léo mort trois quarts d'heure avant mon arrivée, ça changeait tout. Ça m'innocentait. Alors, pourquoi ce silence, bon Dieu? Eh bien pour que tu n'ailles pas t'imaginer. Ah non, je t'en prie, trouve autre chose. Mais tu savais pas que Léo était jaloux de toi, hein? Et pas seulement de ton talent, de tes succès, mais aussi à cause de moi. Jaloux, c'est possible. Il ne t'avait jamais pardonné notre mariage. Il était amoureux de moi depuis toujours. Il le disait, il avait caché son jeu. Est-ce que je sais, moi? Oui, mais était toi, dans tout ça. Moi, eh ben, j'ai dû le remettre à sa place à plusieurs reprises. Bon, ben, t'aurais pu m'en parler. Quoi, pourquoi? Pour envenimer encore les choses? Non, je voulais me tirer d'affaire seule. Enfin, du moins, je croyais pouvoir. Il s'était mis à boire à cause de moi. Enfin, il le prétendait, en tout cas. Bon, et puis, où ça va nous mener, ton histoire? Alors, à court d'argent, il s'est mis à faire du chantage. Oh, le salaud. Oui. Ah, bravo, c'est complet. Du chantage. Enfin, mais comment ça, vie? S'il n'y avait rien eu entre vous, il ne pouvait pas avoir d'art sur toi. Mais il était capable de te faire croire qu'il y avait quelque chose. Oh, moi, quand on offre de chantage, on ne le fait pas sans avoir de preuves. Oui, bah, on en fabrique. Il pouvait falsifier une lettre de moi. Ah oui, une de plus, oui. Dans bravo. Cette lettre, je le suppliais encore une fois de ne pas venir me voir ici. Bon, bref. T'as payé? Oui, d'abord j'ai refusé. Et puis il m'a tellement harcelé, tellement. Tu as payé? Un peu, et puis un peu plus, enfin plusieurs fois. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez. Mais enfin, bon sang. Pourquoi tu ne m'as pas tout dit? Oh, je voulais le faire, tu sais, j'ai essayé. Et puis Léo me tenait, il nous aurait séparés, Michel. Bon, et en ce moment, il ne nous sépare pas. Mais il t'aurait fait douter. Bah, parce que c'était vrai, peut-être, t'étais la maîtresse de cette crapule. Mais non, oh, tu vois, tu recommences, mais puisque je t'ai dit... Mais tu m'as dit, mais tu mens. Moi qui croyais te connaître. Oh, tu n'as plus confiance. Ah bah non, ça non. Je te crois capable de tout. Qu'est-ce que tu es allé faire à l'atelier de Léo à 4 heures de l'après-midi ce jour-là? Je veux le savoir. Mais je te le répète, essayez d'éviter le pire entre vous. Oui, et personne ne t'a vu passer, curieux. Mais enfin, tu t'en souviens, c'était les vacances. Les ateliers voisins étaient tous fermés, le quartier était désert. Écoute, moi, à mon arrivée, puis à mon départ, j'ai été vu dans l'impasse par les gosses de la concierge qui jouaient là, avec leur chien. Non, mais moi, je suis passé par la petite porte de la ruelle derrière l'atelier, tu sais bien. Enfin, personne, en effet, ne m'a vu. Bon, alors, tu es entré. Oui. Tu es entré et Léo n'était pas mort. Michel! Je veux te l'entendre dire. Je veux te l'entendre dire parce que je le sais. Figure-toi. Oh non! Non, laisse-moi. Oh, tu me fais mal, non! Cette fois la vérité. Non, Fanny, tu me fais... je la veux. Non. Léo n'était pas mort. Tu me fais mal! Lâche-moi, oh, t'en supplie. La vérité, bon Dieu, Léo n'était pas mort. Oh! Ivre, ça oui, peut-être, mais oui, pas mort. Oui. Oui, affreusement bon. Ivre, oui. Tout de même. Oh. Il tenait à peine debout. Et tu l'as tué? Oh non, j'ai pas voulu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je lui demandais de s'en aller pour que tu ne le rencontres pas, surtout dans cet état-là. Et puis, il a refusé. Bon, et puis? Et puis le chantage à nouveau, il a été abominable. Il a voulu me prendre dans ses bras, moi j'ai eu peur, je me suis défendue. Mais tu l'as tué, le maillet était à ta portée, tu l'as pris? Non. Oui, enfin, je sais plus. J'ai essayé de frapper à la tête n'importe où. Je savais même plus ce que je faisais. Il a dû faire un mouvement pour éviter le coup. Et je l'ai touché, et puis il est tombé, sans un cri. Et il était mort? Oui, tout de suite, il m'a semblé. Mais on n'a pas relevé tes empreintes sur le manche. Comment se fait-il? D'abord, j'ai été comme folle, et puis... J'ai eu un moment de lucidité. Je m'explique pas. J'ai,
J'ai pensé à essuyer le manche du maillet, à ne laisser aucune trace. Oh, bravo, je sens froid. Les stores étaient baissés sur les verrières à cause de la chaleur. Personne ne pouvait m'avoir vu. Les gosses jouaient toujours dans l'impasse. Moi, j'ai guetté le bon moment pour sortir par la petite porte derrière et puis je suis revenue ici. Voilà. Tu sais tout maintenant. Ah non. Ah non. Pas tout. Je ne sais pas pourquoi tu n'as rien dit. Mais si tu avais été encore à la maison à mon retour, sûrement, là, Michel, je t'aurais tout dit tout de suite. Je te le jurais. J'espérais tellement te retrouver ici, mais tu étais déjà parti. Mais tu devais bien t'en douter, et te douter aussi que j'allais découvrir le corps de Léo. Mais oui, mais alors, ça a été la panique, tu peux pas savoir, j'ai essayé de te joindre. Tiens, rappelle-toi, j'ai téléphoné chez Claude, je pensais que t'avais pu passer le voir avant, mais non. Ouais, tu pouvais alors, venir me retrouver chez Léo en taxi. Mais je pouvais même plus faire un pas. J'ai pensé que si tu prévenais la police, après tout, c'était pas mauvais. Oui, tu t'es plutôt trompé. Je me disais qu'on croirait sûrement au crime d'un voleur surpris. Jamais j'aurais pensé qu'on allait t'accuser, toi. Tu comprends? Oui. Et tu as pu te taire. Tu as pu faire ça. Mais rappelle-toi, j'ai crié aux policiers qu'ils se trompaient. Bon, enfin, tu n'espérais pas qu'ils allaient te croire comme ça. Tu as pu. Oh, impossible de parler. Mon vent, pourquoi, tonnerre de Dieu? Mais d'abord, je ne croyais même pas qu'on t'arrêterait, qu'on te croirait coupable. Personne n'y croyait, Michel, souviens-toi. Oh, bah oui, si je m'en souviens. Mais personne, pas même ton avocat. Tiens, tu le rappelais à Maître Jiquel l'autre jour, tout le monde a cru que les choses allaient s'arranger. On a espéré le non-lieu, puis l'acquittement, et puis... Enfin, tu sais bien, toi-même... Mais oui, oui. D'espoir en espoir, je me suis retrouvé condamné. Et toi, le silence. Toujours. Mais même si j'avais dit au commissaire, au juge, c'est moi qui ai tué Léo, personne ne m'aurait cru. Elle cherche à tirer son mari d'affaires, voilà ce qu'ils auraient pensé. Mais tu n'as même pas essayé de faire la plus petite tentative. Une tentative? Mais une tentative de quoi? C'était impossible, j'étais enferrée complètement, prisonnière, tu comprends? Oui, toi aussi. Et comment? Dis-moi, comment as-tu appris la vérité? Hein? Je t'ai dit. Oui. Mais je ne savais rien. Oh, Michel. Tous les moyens sont bons quand on veut la vérité. Oh. Oh non, quand je pense, tu as pu faire ça, toi. Michel. Mais dis donc, j'y pense. Claude était au courant. Ah, ben, tu lui avais dit. Oui, tout de suite, dans mon affolement, au téléphone. Ah, ben, je commence à comprendre, c'est complet. Il est chevaleresque, le monsieur, il garde bien les secrets. Tu crois que ça n'a pas été dur pour moi aussi? Mais enfin, quand je te dis, tu peux me croire. Ah, je crois plus à rien. Mon Dieu. Une femme, c'est votre femme qui vous fait ce coup-là. Et ça sourit, ça pleure, ça couche avec vous, c'est inquiet, c'est tendre. Et ça vous a tué un homme comme ça, sans rien dire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille me livrer à la police? Hein? C'est ce que tu veux? De cette façon, tu l'auras ton fait nouveau. Et ta révision de procès, ta publicité, tu seras réhabilité, hein? Tu préfères que je disparaisse? Quoi? Enfin, que tu disparaisses? Tu veux que je m'en aille, que je te quitte? Ah bon. Que tu t'en ailles, oui. Depuis plusieurs jours, je sentais venir ce qui arrive aujourd'hui. Ma petite valise rouge est toute prête. Tant mieux. Ben, je vais aller la chercher. Avec mon manteau, hein? Tout de suite. C'est ça. Voilà. Je pensais aller peut-être chez Tante Lucie un moment, en lui cachant la vérité naturellement. Chez Tante Lucie, oui, c'est ça. Si toi tu... Je sais pas si tu as quelque chose à me dire. Oui, oui. Et puis, il me faudra d'autres vêtements. Oui, oui, nous réglerons ça plus tard. Va, va, va. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est Jiquel. Oh non, là-bas. Ne l'ouvre pas. Tu penses bien qu'avec la lumière, il nous a vu par la verrière. Allez, je vais le recevoir. Voilà.
Ah, maître Jiquette, c'est vous. Bonsoir, bonsoir, mon cher ami. Comment allez-vous? Ça va, merci. Mes hommages, chère madame. Ah. Oh, mais, pardon, je vous dérange peut-être? Je vois une valise, là, vous en alliez? Oui, ma femme allait partir juste au moment où vous êtes arrivé. Ah, mais je ne voudrais pas être important. C'est une de mes tantes qui me réclame, alors je... En effet, j'allais partir à la gare. Oh, je suis confus. Ben, je ne voudrais pas vous retarder. Pourtant, je ne résiste pas au plaisir de vous apprendre une... Voilà, mon cher ami, j'ai du nouveau pour vous. Ah. Oui, j'arrive au terme de ma petite enquête parallèle. Et si ces derniers jours, je ne vous ai pas tenu au courant, c'est que... Non, ça ne fait rien, maître Jiquel, ça ne... Hein? Oui, moi-même, j'ai abandonné. Mais comment ça, abandonné? Oui, enfin, ça ne m'intéresse plus. Non, mais je comprends pas. Voyons, je... Ben, oui, j'ai d'autres soucis. Plus grave. Ah, mais ça ne vous intéresse plus parce que vous marquez le pas, hein? Tandis que moi... Voilà, mon cher ami, je soupçonne fort le meurtrier de Léo Roland d'être une femme. Ah, vous, vraiment? Une femme, vous croyez? Mais oui, une femme, malgré les conclusions de la police. Vous ne vous attendiez pas à cela? Non, non, en effet, je ne m'attendais pas... Oui, mais vous êtes pressé ce soir, je ne vais donc pas vous expliquer maintenant. Je vous donnerai plus tard les détails qui m'ont amené à cette conclusion. J'en reviendrai. Non, non, je viens de vous le dire, mon cher ami. Comprenez-moi. Oui? Je vous en prie. C'est plus la peine. Je ne cherche plus à savoir quoi que ce soit. Mais enfin, pourquoi? Alors que nous sommes si près du mais but... Mais non, je vous en conjure. Je... N'insistez pas davantage. Vous comprenez? Vous m'obligerez. Ange... Non, mon cher ami, je vous demande pardon. C'est rien. J'étais si heureux pour vous. Non, vraiment, je suis désolé. Non, jamais de ma vie, je ne me suis senti aussi maladroit. Oh, ça fait rien. Un jour, peut-être, je vous expliquerai. Non, vous ne me devez aucune explication, croyez-le bien. Je m'en veux, encore une fois, d'avoir été plus qu'importun. Mais c'est encore peu dire. J'en suis vraiment navré. Je serais impardonnable de m'attarder davantage. Mais madame, puisque vous devez prendre le train, j'ai là ma voiture. Je peux vous déposer à la gare? Merci, maître. Oui, oui, peut-être à la gare. Non, non, non. Maintenant, il est trop tard. Le train serait parti. Ma femme prendra le suivant. Mais comme vous voudrez, mon cher ami. Oh, encore une fois, je suis désolé. Je vous laisse. Au revoir. Je reste à votre disposition. Là, merci, merci. C'est moi qui suis désolé. Madame. Au revoir, maître Jiquel. Oh, pardon, je vous accompagne. Tu crois, Michel? Tu crois qu'il a compris? J'ai l'impression, oui. Oh, mon Dieu. Il a bien dit une femme? Mais il ne savait pas encore que c'était moi, c'est certain. Oui, mais maintenant il le sait. Il se taira. Naturellement. Je le vois mal aller te dénoncer à la police. C'est pas son rôle. C'est pourtant vrai, j'ai raté mon train. Je prendrai le suivant alors. Mais je vais partir tout de suite quand même. Non. Michel? Non. Écoute-moi, ces années que nous venons de passer... Oh, elles ont été terribles, si tu savais. Je sais. Continuer à vivre ensemble, ce serait peut-être pas plus difficile. Oh, Michel... On peut toujours essayer, hein? Si tu veux, Fanny. Oh, si je veux...